grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le moyen est la foi pour obtenir, le moyen est un instrument, le moyen est un investissement, le moyen, la foi est le moyen par lequel vous obtenez la bénédiction de Dieu, ce que vous souhaitez pour votre vie. Un moyen, c'est ce qui sert pour aboutir à une fin. Un moyen, c'est ce qui se situe entre deux personnes, vous et Dieu. Mais quel est le moyen? La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous pouvez, à partir de cet instant, venir vers Dieu, vous approcher pour recevoir. Mais attention, avec foi, pour obtenir ces bénédictions. Je voudrais vous dire, à partir de cet instant, il est possible pour vous de vous approcher par le moyen de la foi. La foi, c'est la vôtre, la confiance que vous investissez en Dieu. Pourquoi ne pas vivre cela d'une manière extraordinaire? Or, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, c'est à vous maintenant de vous confier en Dieu.